Bonjour, ici Jailbreak Pro et aujourd'hui nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut simuler un bug sur votre iPod Touch ou iPhone. Donc grâce à une application qui s'intitule Crack, donc Crackeed. Donc voilà cette icône-là. Donc elle est téléchargeable via Cydia. Donc il faut déjà jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone. Donc vous tapez barre de recherche Crackeed. Et vous le téléchargez. Donc pour cela, il vous suffit de faire un screenshot, donc bouton d'en haut et bouton d'en bas d'un coup. Voilà comme ça. Vous entrez dans l'application. Là, vous allez chercher tout en bas Open Image. Voilà, là vous prenez votre screenshot. Et donc là, l'application, elle va mettre la screenshot, mais on dirait vraiment que c'est votre iPod. Et donc là, bah, par exemple, vous le passez à un copain. Il va essayer d'entrer, donc réglage. Voilà. Et là, ça va simuler un bug. Donc voilà, si vous cliquez, ça va refaire pareil. Alors c'est vraiment bien fait. Votre copain, s'il connaît rien en iPod Touch ou en iPhone, il va vraiment croire qu'il a fait un bug. Donc après, bah, vous lui reprenez l'iPod, puis vous lui dites qu'il a fait une connerie, puis vous lui repasserez jamais. Donc voilà. Pour quitter, vous appuyez sur le bouton d'en bas. Voilà. Sinon, après, pour le fun, vous pouvez cocher là, crack and touch. Donc vous cochez. Là, vous utilisez toujours la dernière image. Et là, quand vous allez appuyer, voilà, il va avoir une cassure. Donc vous pouvez le faire à l'infini, n'importe où. Voilà, ben, c'est pour s'amuser, hein, ça sert à rien. Et pour quitter, bouton d'en bas. Voilà. Sinon, il y a une autre application qui s'appelle iBroke, Ibroke. Donc ça, c'est moins bien fait, mais c'est quand même amusant. Voilà, donc vous cliquez sur Smash en bas. Bon, là, on voit pas trop bien. Voilà, ou Slide. Et là, quand vous allez appuyer, voilà, il va avoir ça. Donc, qu'une fois. Après, sinon, il y a Zap, à droite, là. Voilà, Slide. Mais là, c'est pas une screenshot de votre iPod, donc c'est moins bien fait. Et quand vous allez cliquer, vous allez entendre un son, puis ça. Voilà, toujours pour quitter, bouton d'en bas. Donc voilà, mais le plus impressionnant reste sur Crack. Le plus impressionnant reste celui-là, bien sûr. Voilà, c'était Jailbreak Pro et comment faire peur à un ami. Voilà, à bientôt.